Bonjour et bienvenue, deuxième vidéo sur The Wandering Village. Donc on va continuer notre petite excursion. Ça se passe bien pour le moment. On doit juste faire attention pour la créature. La créature doit manger assez souvent. Donc il y a juste ça à se gérer en fait. Mais sinon ça se passe bien. Sinon ça se passe super bien. Alors 10 et 10, ça fait un peu beaucoup. À la limite on coupera de la pierre. On va en profiter parce qu'on est dans un biome où on peut récupérer de l'eau, donc on va en profiter. Alors maintenant, notre prochain choix. Donc on a 13 de connaissances, on va directement faire moulin et boulangerie. On va directement faire ça. Là on a des betteraves, je vais voir la nourriture un peu. 21. C'est pas grave, ils peuvent manger les betteraves. Ok, on a récupéré les... Ah, on a récupéré des pierres, nickel, nickel, nickel. Là, on pourrait... Ça, 16h. Alors là, on est à 2 polyvalents. Okay, on est à 0 et 2, c'est très bien. Ça, tout avance très bien, en fait. Tout avance très bien pour le moment. Ok, la nourriture ça va aussi. Il y a ça, je voudrais bien que... Hein? Je vois pas pourquoi on n'avance pas là. Voilà, vire-moi tout ça. C'est vrai que ça aussi il faut virer en fait, faudrait mettre du transport. Voilà, très bien, on va pouvoir commencer. 15 et 5, ça marche. Travaillez les mecs, travaillez. Ok, Angus se réveille, il va avoir faim. Ouais, il a faim très vite, hein, honnêtement. Donc ça, il va falloir le construire très rapidement, sinon on va être vraiment dans la merde. Je crois qu'on va les mettre en polyvalent pour le moment. De toute façon, ils ont toujours le bonus de vitesse. On a récupéré du bois, et pierre, ça va, ça marche très bien. On va les envoyer ici, dans la forêt. Le médecin. Ah, j'avoue que j'aurais pu ne pas faire ça. Attends, si je fais ça. Ouais, on va faire ça. Ouais, comme ça, on finit ça directement. Comme ça, on va pouvoir donner à manger à la créature, parce que sinon, elle va avoir faim trop rapidement. Là, ça va dépendre, en fait. Si elle va au nord, c'est bon. Si elle va au sud, c'est la merde. Par rapport à la nourriture. On a fini l'exploration. Non. Voilà. Et on fera le médecin maintenant. Et où le médecin, déjà? Je m'en rappelle jamais. Je sais jamais où sont les choses, honnêtement. C'est là, le médecin. Alors, médecin... On avait dit comme ça? Comme ça? Comme ça. Voilà, comme ça va être fait direct. De l'eau, on en a plein. La nourriture d'ondu, on en a. C'est nickel. Plein de champignons. Nourriture qui baisse un peu. Alors, agriculture, ça, on l'a avant. Ce que je voudrais faire, c'est ça. Polyvalent. Alors, où est-ce que tu vas aller? Où tu manges ou on récupère des gens? On va récupérer des gens. Ok, bois. 18. Il nous faut de la pierre. Ok, on va récupérer des gens. Du coup, on va te nourrir, t'inquiète. T'inquiète, petit, t'inquiète. Mmh.
manque de gens. Le mec il est en train de charger la nourriture, c'est très bien. Alors, faut faire attention à notre nourriture par contre. Ça va aller. Il y a le médecin, est-ce qu'on le fait maintenant le médecin? C'est pas vraiment nécessaire. Faut qu'on essaye de prévoir en fait en avance. Là on a une vague de froid. Ok, nomade, nickel. Nickel. Donc il faut gérer la nourriture. Il faut gérer la nourriture. Moissonneur. Alors fais voir toi. Nourrir, très bien. L'eau... Ah, l'eau est pas automatique. Là. Ça, c'est la merde, ça. On va réduire ça. Très bien. Ok, il fait trop chaud pour les champignons. Non, il fait trop froid pour les champignons, on va arrêter de les faire. Enfin, la vague de froid, elle dure pas longtemps, de toute façon. Ok, ça c'est bon. Hop, mine. Ok, maintenant. Enfin, ça va pas durer longtemps, franchement, donc c'est pas très grave. On va... Attends, on a combien de gens qui travaillent et qui font quoi, là? Ok, sonneur... On récupère les baies. Ouh, on a encore de la du sanctuaire, c'est bien. Ok, on a un médecin qui va être bientôt prêt. On peut le faire, je pense. On peut le faire maintenant. Comme ça, si jamais on a des problèmes avec la avec l'empoisonnement. Pour le moment, on est dans un biome où il n'y a pas vraiment de problème, mais bon. Ça risque de venir. Bon, Ondule, il va manger, c'est très bien. Je me demande, en fait, est-ce qu'il n'y a pas plus important à faire avant ça? Je vais voir s'en est où, ça. Là, on est en train de faire le moulin avant. Parce qu'il va falloir faire le moulin avant, en fait. Il va falloir faire le moulin avant. Ouais. Bah, je dirais on peut faire le minerai de fer, très bien. On peut faire le médecin juste au cas. Et ça c'est automatique maintenant, très bien. On a récupéré des gens. On a 4 points d'eau, donc ça va pour le moment. On n'a pas besoin d'en faire plus. Toi pour le moment, tu peux te reposer. De toute façon, il va prendre à manger maintenant, donc ça c'est bien. Ça. Ah, parce que c'est bien quand même d'avoir des médecins, parce que là, si on... Genre par exemple là, on n'a plus rien en fait à visiter, on n'a que des forêts toxiques et tout. Donc les mecs, ils vont revenir, ils vont être empoisonnés. Plus à grand chose. On est constructeur. Il faut de la pierre.
Il y a un peu de micromanagement au début, comme ça, quand c'est un peu limité en fait. Alors, cuisine ferme, non, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, on a juste à faire le pain, et honnêtement, après on sera beaucoup plus tranquille pour la nourriture. Ok, ça c'est nickel. Toi, tu vas placer les plantes. Alors, on a le moulin à vent. Alors, le moulin à vent, on va le mettre, du coup, ici, parce que le moulin à vent, ça sera pour ça. On va commencer à planter du blé, aussi. J'aurais dû peut-être le faire en avance, le blé, mais c'est pas grave. Le médecin, il prépare les plantes, c'est nickel. Là, on est à 3 sur 3, c'est très bien. Il commence à construire les routes, comme ça, on gagne un peu de temps. Minerai de fer, nickel. Ouais, on va aller explorer les forêts toxiques. Moulin avant, ça avance vite, c'est très bien. On est à quoi là? On est à 3-3. Ok, on a des gens empoisonnés, je crois. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, sur leur chemin à travers la forêt empoisonnée, votre pillard découvre une petite zone d'air pur. Cela ressemble à un bon endroit pour prendre une bonne respiration. Bref répit, fatigué de leur long voyage, bien s'endorme. Au réveil, ils ont choqué de constater qu'un nuage de spores toxiques se déplace à travers la clairière. Effrayés, ils commencent à courir et parviennent à s'échapper, même si certains d'entre eux ont été empoisonnés. Bon, c'est pas trop, trop grave. C'est... Bon, on n'a rien récupéré, quoi, mais au moins ils sont pas morts, c'est déjà ça. Oui, ils peuvent mourir, évidemment. Ils peuvent mourir, ça c'est un problème, ça. Moulin à vent, pour le moment on n'en a pas. Ok, l'autre il se repose, très bien. Ils sont en train de... Ah non, il s'est remis à marcher, pardon. Alors, 15 plantes médicinales. Et ils sont en... 15 plantes médicinales, c'est pas mal, c'est pas mal. On a des trucs en bordure? Non, pour le moment, on n'a rien. Ok, on a tout fouillé. On a tout fouillé pour le moment. Alors, on peut faire ça. On n'a pas beaucoup de matériel. Qu'est-ce qu'il faut quand même de la pierre. Ouais, on va devoir casser un peu de pierre parce que là on commence à être à court de pierre en fait. Ah, il y a un truc là. Okay. Je savais qu'il fallait pas les... arrêter. Normalement, on est bon. C'est bon, les mecs, d'être revenus. Yes, c'est bon. Okay. Eux, ils partent toujours, en fait. Ils partent toujours à la recherche de trucs. Y a pas de... Y a rien à dire, mais... Okay, on a une vague de froid, ça c'est un peu chiant. On a du blé ou pas? Il n'a pas été encore récupéré. On va faire des betteraves.
ça fonctionne toujours. Là, on est à 2 et 3, c'est très bien. On va les laisser en construction, comme ça ils font les chemins un peu plus. Chaque niveau, on est à 25. On va crafter des... créer de la nourriture pour la bestiole. Ah, ce serait bien qu'elle aille là. Comme ça, on n'a pas besoin de la nourrir. Le médecin, ça va, il gère. On n'a plus besoin de lui pour le moment. Okay. J'ai pas fait de maison aussi, putain. J'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié ça. Tiens, au passage. Lol. J'ai pas fait de maison. C'est vrai que ça pourrait augmenter la production de faire ça. Après, ça prend beaucoup de ressources. Il va falloir repartir à couper du bois. Ça en fait. Tout. Ils sont pas encore revenus. C'est bon, ils sont revenus. Pierre, très bien. Finir ça, je vois. La parcelle là qui manque. Attends. On fait un peu pause un peu plus souvent parce que. Ah, faut voir, là on a que 11 donc pas besoin. Toi tu repars au blé. Oh yes, il va pouvoir manger. Et oh, il y a des gens en plus. Nickel, nickel. Nickel, 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 nickel. Ah, il y avait... il y avait ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, la boulangerie est faite. Je suis un peu deg parce qu'en fait, on n'a pas fait de récolte de blé au final. Pour le moment. Toujours pas fait de blé en fait. Donc c'est un peu con. On récupère du bois. Ok, nourriture fraîche. Pierre, nickel. On peut aller récupérer du fer, ouais. Ça se passe bien, ça va. Pour le moment. Toi. Stockage plein. Faire du stockage. Oui, la boulangerie, j'avais dit. Alors, la boulangerie, on va la mettre là. La boulangerie ici?
J'aime pas trop le gap en fait qu'on a créé là. Après, est-ce que je peux. Ouais, on peut faire comme ça. Ouais, je suis pas super fan de ce qu'on a créé là, mais c'est pas grave. Dormir, très bien, pas de problème. Alors, est-ce que il nous faut du matériel en plus ou pas? Pas vraiment. Très bien. Pour le moment, on n'a pas de blé. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Tente est finie. Tout le monde a du. Non. Pas tout le monde. Là, comme ça fera encore un peu plus de nourriture. Là, ça marche bien. Et après, quand on sera parti dans le blé, honnêtement, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Hein. Des empoisonnés. C'est pour ça que je garde toujours des médecins, en fait, un seul de près. Mais bon, là, on était un peu limité. Ah, pardon, j'ai oublié de les renvoyer. On peut faire le sanctuaire. Il y a ça, ça va être un problème. Ça va être un problème. Faudrait lui donner des ordres à la créature, genre de se bouger le cul quand elle court et tout ça. Mais le temps qu'on fasse la recherche et tout ça va pas. On va devoir gérer ça nous-mêmes, c'est pas très grave. Ça risque d'être un problème, mais bon, on verra. On est parti. La pierre, c'est bon, on va les mettre en construction. Alors, en arrivant au sanctuaire, vos pierres rencontrent un autre groupe de personnes. Les autres sont fatigués de vénérer un vieux et monde mort. Ils veulent détruire le sanctuaire ainsi que l'artefact qui s'y trouve. Donnez-leur quelque chose pour montrer que vous sommes non seulement amicaux, mais que vous utilisez les connaissances de cet artefact de manière responsable. Ouais. Yes. Yes, nickel. Parfait, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, c'est nickel. Et là, ça va nous fera encore des gens en plus. C'est quoi ça? Forêt. On peut prendre celle-là, comme ça après on visitera celle-là. Ok, le moulin fonctionne, le blé fonctionne. On n'a plus besoin de trop de monde parce qu'en fait les parcelles sont grosses. Ok, ça c'est nickel. On a la scierie qui fonctionne. Donc la scierie. L'eau en est bon ou pas? Ouais. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix en fait. Là ou là? Mais là, si je mets un truc d'eau, du coup, ça m'embête. Ah, mais tiens, mais il y a ça aussi. Juste là, en fait. C'est pas mal. Ça, on récupère de la roche facilement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? On est en train de faire la scierie. Est-ce qu'on est en train de faire du. Non. La boulangerie, là, elle peut commencer. Croix et 1, nickel. Ça, c'est déjà en construction, c'est nickel. On va prendre des gens, nickel. Ça va, c'est cool. Ah.
Ouais, poison commence à être un problème, donc on va faire ça, on va mettre plus de ça. On va augmenter aussi le nombre de plantes. On va en mettre qu'un seul. Là, il faudrait lui dire de s'arrêter, mais bon. Toxique. Ok, on a récupéré du bois. Oh, pas bon, faut être toxique. Alors, ça, faut absolument l'enlever. C'est pas trop grave. De toute façon, faudra bien passer par là. Puis en plus il y a encore une forêt toxique après. On va récupérer du pain, ok. On va faire ça. Qui s'occupe de ça en fait. Ok, nickel. Maintenant on va prendre ça pour lui donner des ordres. On a la scierie qui est faite aussi. Donc du coup on peut se permettre de perdre tout le bois si on veut. On peut se permettre de que tout soit contaminé, c'est pas très grave. Faut juste pas que ça nous détruise nos trucs là, comme ça par exemple. Ça va bouger un peu le cul, merci s'il vous plaît. Okay. Là on n'a plus besoin d'avoir autant de gens, parce que le blé en fait met extrêmement longtemps à pousser. Là avec un seul on en fait 3 et avec 3 on fait 8 pains. On a mis où la boulangerie? Boulangerie, ouais. Donc c'est bien. Et du coup on a, ça va vite. Genre nourriture, on est bien, 75. On a plus besoin de quoi avoir de gens ici. On a eu 10 champignons, nickel. On va prendre ça. Faut juste arrêter cette propagation ici et après on est bon. Ok, lui il a faim. Ok, c'est parti. On va lui donner à manger. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Alors. Ok, c'est bon. Sa contamination à lui aussi qui augmente, donc il va falloir faire des médicaments bientôt. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Une vieille machine. On est vraiment sur place, vous trouvez une vieille machine à tailler la pierre qui pourrait encore fonctionner. On teste. Yes, 19 dalles en pierre. L'un de vos explorateurs tire un levier rouillé et la machine se réveille. Après un certain temps, elle commence à produire des dalles à une à une. Vraiment top. Vraiment top. Alors, ça, une heure. Ok, encore du... Encore de ça, c'est pas grave.
gérer. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut gérer. Un peu en retard par rapport à ça. Ok, fais voir un peu. Là. Pas que ça soit trop proche de chez nous en fait. Gravement empoisonné. Alors, du coup, on peut faire ça, la corne. Ok, ça gère. On peut occuper surtout de la créature, en fait, maintenant. Quoi, menuiserie? Ah, stockage plein. Dépôt de matériel. Au moins un. Alors, niveau moissonneur, là on est bon. Ou on doit couper un peu plus. Il y a le haut, c'est pas tout, ça va, c'est pas grave. Peut-être ces arbres là pour éviter que ça se propage en fait vers nous. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais. Genre, touchez pas ça, quoi. Par exemple. Et vous approchez pas trop de chez nous. Avec votre toxicité. Ok, là, il devrait se reposer. Parce qu'il est quand même fatigué. Ça suffit pas à vos orbes. De toute façon, je crois qu'il va dormir, en fait, c'est pour ça. Alors, échange de marchandises. Explorateur rencontre un groupe venu d'un refuge proche qui explore aussi la colonie. Il propose un échange. Alors, de l'eau ou du pain? Je veux bien leur donner de l'eau. Ouais, on est en norme. Ouais, de l'eau. On a eu du verre et du fer. Ça va, c'est des ressources chiantes à faire. Donc c'est pas si mal. Pas si mal du tout. Ok, là il n'y a aucune. On est à 89%, ça va. Donc, ça c'est créer des médicaments. Combien de personnes? Moissonneur 4. Après, on peut envoyer des moissonneurs encore à couper des choses pour éviter que ça se propage trop. Ça pourrait être une idée. Ouais. Bon, là, il y en a. Là, c'est trop la merde. Mais on pourrait couper le bois en fait pour récupérer le plus de bois possible. La pierre, on en a pas mal. On en a encore plus. Très bien. La nourriture, ça va. Très
très affamé après s'être réveillé, il n'y a pas de problème. Je voudrais bien qu'on essaye de... Ah, quoique le temps qu'il arrive, normalement, il devrait les rencontrer. Je pense pas qu'on ait besoin de lui dire de speeder. Je crois que ça passe. Je sais pas si en fait ça sert à... Je sais pas si c'est utile de couper cette partie-là, parce que de toute façon c'est tout pourri. Donc je sais pas si vraiment ça c'est très utile. C'est ça que je suis en train de me demander. Peut-être cette partie-là, à la limite. Ok. Donc là on en a un. La souche de bois, on a une personne aussi. Ça va, en ressources honnêtement, on gère. On va peut-être s'arrêter là. En ressources, je suis super content. Ouais, non, je suis super content. Pour le blé, bah, le blé on en a trop déjà. La farine ça a l'air d'aller. Le pain on en fait pas mal, on est bon. On peut augmenter la production si vraiment on en a besoin. Ça on va faire, la pharmacie, comme ça le temps qu'on découvre ça, on va pouvoir... Ah oui, c'est ça, il faut qu'on le remette aussi. J'avais un peu oublié. Ouais, on est bon. Dit bois. Ouais, on va s'arrêter là, je pense. C'est un peu plus difficile, mais ça va, on gère. Il n'y a que l'empoisonnement qu'il va falloir faire attention. Faut pas qu'il se repose ici, en fait. Ou s'il se repose, ça va être très empoisonné. Là, je crois que c'est bon. Mais là, en jungle, ça va être la merde. Niveau plante, ça va. On va pouvoir faire un médicament. Je crois que c'est 30... pour un médicament avec les plantes, donc ça ira. Ouais, ça ira. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça va continuer. Pour le moment, je crois pas qu'on risque d'avoir de problème. La chose qu'il faudrait se concentrer maintenant, je dirais, parce que niveau nourriture on est bon. Maintenant, il faudrait des choses en plus, en fait. Il faudrait, par exemple, ça et composteur, là, les deux, là, par exemple, avec les décontaminateurs. Comme ça, ils peuvent tout brûler, en fait. Ça va vraiment nous aider, je crois. Après, bon, déjà tout contaminé, maintenant. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas trop. On a 8 de connaissances, donc on peut aller un peu partout, en fait. Et ça, c'est bien. On peut vraiment choisir ce qu'on veut. Si jamais on va dans les biomes d'océan, ce serait pas mal aussi de pouvoir récupérer du poisson et tout ça, de l'eau. Mais ouais, on va se concentrer sur... Il y a l'ambulance aussi que je voudrais débloquer. On a du fer, je crois. Ouais, on a du fer. On va débloquer l'ambulance pour, comme ça, ils vont aller courir plus vite. 50% de plus en déplacement. Et ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, on va se concentrer sur la décontamination. Ouais. Faut que ça soit... Faut qu'on fasse ça. Et après, une fois qu'on aura des gens pour de la décontamination, on s'occupera de ça. Mais bon, cette partie-là, l'arrière, en fait, on abandonne. L'arrière est abandonné pour le moment. Voilà. Parce qu'on n'est pas, on n'a pas vraiment besoin de trop de ressources, donc ça va, on va gérer. Mais l'arrière, ouais, on abandonne. Là, on va essayer de sauver ça. Enfin, on va tout détruire, quoi. Mais l'arrière, c'est fini. Il y a juste cette parcelle-là qu'il faudrait sauver. Avec les buissons et tout ça. Qu'on garde les buissons. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.